Quand la confiance et la sécurité s'affaiblissent, quel appui pour le professionnel? En tant que professionnel, on ne peut jamais travailler seul. Vous le savez, on travaille de manière implicite, toujours en équipe, même quand on dit qu'on ne travaille pas en équipe. En fait, on ne peut pas travailler seul, ce n'est pas possible. Toutes nos pratiques ont été formatées en lien avec d'autres. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est plusieurs, et heureusement, on est plusieurs face aux familles, aux enfants, aux personnes que l'on reçoit, même si on les reçoit seuls. Et cette situation particulière dans laquelle on est baigné maintenant depuis plusieurs mois, peut-être accentue cette idée d'un isolement, quoi, au fond, un peu comme si on était lâché dans la nature, hein, qu'on soit d'ailleurs en télétravail chez soi avec, excusez-moi l'image, les enfants sur le dos en même temps que la visio, ou que ce soit sur le terrain pour recevoir, prendre en charge tel enfant, recevoir une famille, que ce soit pour ne pas pouvoir compter sur un lieu qui était ouvert et qui permettait que les parents puissent déposer leurs questionnements, etc. Que ce soit des endroits où spontanément les enfants pouvaient avoir recours, pouvaient échanger, jouer, etc. Toutes les activités, par exemple, qui s'étaient amenées à faire et qui du coup sont plus présentes. Toute cette sociabilité, au fond, qui est là, mais qui d'une certaine manière était, comment dire, naturelle. Elle se voyait pas. Elle était présente, et puis maintenant elle se rend présente, mais en creux, en absence. Du coup, les enfants qui se voient moins les uns avec les autres, qui sont obligés de faire attention, qui rentrent chez eux et qui, d'une certaine manière, éprouvent, voient dans les yeux de leurs parents les soucis de comment ils vont, comment il faut qu'ils se comportent. On a beaucoup parlé des relations avec les grands-parents, mais c'est toutes les relations familiales qui se trouvent un petit peu comme si tout à coup ça devenait, je sais pas comment dire, si on a des relations familiales, ça y est, on est dans la transgression, quoi. On inverse un peu les choses, hein, puisque habituellement, quand on est dans la relation familiale, ben, justement, on se retrouve, et là, ça introduit au fond la société au sein même des relations intimes familiales, avec des fois des conséquences qu'on mesure pas. Hein. Donc, en tant que professionnel, je crois que ce Covid nous confronte à un nouvel isolement. Hein. Alors, je pense qu'il faut pas cracher, excusez-moi l'expression, sur la visioconférence. Hein. Ça maintient un lien entre nous. Parfois, et je pense que quand c'est possible, se retrouver en présentiel, comme on dit, est important. Mais je crois surtout qu'il ne faut pas rester seul. Chacun vit différemment, et on va découvrir les autres professionnels. Quelqu'un qu'on croyait timide, on va le retrouver au contraire très actif. Quelqu'un qu'on croyait très actif, on va le trouver très peureux. On change. Parce que cette pandémie est une espèce d'épée de Damoclès, hein. Donc ça nous apprend l'humilité, mais encore une fois, comme dans toute relation d'équipe, il faut favoriser tout ce qui est les transmissions, tout ce qui est le temps qu'on peut prendre ensemble pour échanger. Peut-être qu'il faudrait se donner, comme il y a des temps d'analyse de la pratique. Des temps où on peut se dire à quel point on est usé, à quel point c'est fatigant, etc. Hein, peut-être que là, il y a vraiment quelque chose à créer, à mettre en place, parce que oui, on vit une situation qui est extrêmement usante, fatigante, à tous les sens du terme.